feuilles de manioc aux haricots. Pour savoir si la préparation est prête pour faire la sauce, il faut qu'il y ait une diminution d'eau et un changement de couleur du feuille de manioc aussi. Mais vous ne les remuez pas avant qu'il y ait une diminution d'eau, parce qu'une fois que vous les remuez, ça se brûle facilement et vous n'aurez pas les mêmes résultats. Maintenant, nous allons mettre notre huile de palme pour cuire les oignons. Et il faut une grande quantité. Et on les laisse chauffer. Pendant que vous faites chauffer votre huile de palme, il ne faut pas le laisser trop longtemps de peur que ça devienne comme l'huile végétale. Et il faut que ça reste toute jaune comme ça. Et après quoi, mettons les oignons. Comme je t'avais dit avant, on ne met rien d'autre que les oignons et puis. On ne laisse pas trop longtemps de peur que ça se frite. Une fois c'est ramolli, on le verse. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a presque pas d'eau, mais au moment de l'ébullition, il y a l'apparition d'eau. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter des et maintenant vous pouvez l'écouter, si le sel ne s'est pas fait entendre, vous ajoutez. Si c'est bon, on le laisse mijoter pendant 10 minutes. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner.